Nadia Pater, je suis la présidente de l'Académie du Cap. J'ai commencé à jouer, danser dans une association de Port-Blanc, Gosier, comme mon père était dans cette association-là. Et puis après, je suis partie en France. Et ensuite, j'ai pu danser avec les amis de Creil. Les amis de Creil. Et puis après mon retour ici, j'ai pu rentrer à l'école de Jacqueline Cachemire, l'école de danse Jacqueline Cachemire. Et après, comme on était un bon nombre qui savait déjà danser, donc Jacqueline a créé le groupe Académie du Cap. Et on a commencé à faire des spectacles. Donc Jacqueline nous a apporté le plus, quoi, puisque comme on savait déjà danser, mais les tenues, la manière d'être et tout. Et donc, de fil en aiguille, et comme j'adore danser, autant que chanter, mais j'ai donné la priorité à la danse. Et puis donc, on a, de fil en aiguille, un jour, elle me dit, il faut que tu me remplaces un cours. J'ai dit, moi, je ne pourrais pas. Elle me dit, si, moi je ne suis pas là, je ne peux pas, tu vas faire le cours. J'ai commencé par un cours, après deux, après trois, et j'allais la remplacer dans les interventions dans les écoles. Et puis après, elle m'a confié les tout-petits, et de fil en aiguille, j'étais son assistante. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis présidente de l'Académie du Cap, et j'assure mes cours avec passion. Quand elle a voulu passer la main, elle m'a dit qu'elle sent tellement d'amour que j'ai pour le Gros Cap et pour la Guadeloupe. Donc, elle ne peut confier l'Académie du Cap qu'à moi.